Attendez, saccagé, Jacques Roger. Allô, Alcini. Voilà. Merci, Alcini. Hein. Bon, je ne vous ai pas tellement suivi, donc je n'ai pas eu le temps. Merci, Alcini. Je ne vous ai pas suivi, mais je n'ai pas eu le temps cette fois de... Oui, voilà. Je disais, je ne vous ai pas suivi, j'ai pas eu... Il y a une interférence, là, on dirait. Hein. Il y a une interférence, je ne sais pas si vous m'entendiez. Excusez-moi, Alcini, hein, voilà. Merci, hein, on reviendra à vous tout à l'heure. Hein. On a notre invité donc en ligne, on va certainement donc la voir tout à l'heure. Je ne vous ai pas suivi, hein, donc je n'ai pas su exactement ce que vous étiez en train de dire. Hein. Le temps donc de connecter certainement notre invité. Tout à l'heure, je vous reprendrai en même temps, Alcini, pour revenir un peu dans le débat. Ceux qui vous ont suivi, peut-être vous apporteront certainement donc la contradiction, hein, tout à l'heure. Alors, je vais directement voir si notre invité en ligne, il s'agira donc de Madame Binta Nabé, hein, qui est donc de la Coalition nationale de Guinée, hein, pour les droits de la citoyenneté, donc des femmes, qu'on appelait, hein, la CONAG des CF. Bonsoir, madame. Est-ce que vous êtes en ligne? Oui, bonsoir, monsieur Roger. Voilà, tout est bien qui finit bien. Hein? Ça a été un peu laborieux. Hein? Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, alors. C'est vrai. Alors, justement, comme je le disais tout à l'heure, votre nom, c'est donc madame Binta Nabé. Hein? Vous êtes certainement donc la présidente de la Coalition nationale de Guinée pour les droits de la citoyenneté donc des femmes. Ah, dites-nous, hein, ça veut dire quoi exactement, hein? Qu'est-ce que vous faites réellement? Merci, monsieur Roger, de m'avoir donné cette opportunité. Je vais d'abord commencer par apporter une précision. Je suis la présidente de l'association Mères et Enfants, qui est membre de cette coalition nationale pour les droits et la citoyenneté des femmes. La coalition est un ensemble de 12 organisations féminines, dont la nôtre, qui se trouve l'association Mères et Enfants, qui intervient pour la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, surtout des femmes et des enfants qui sont en situation difficile. Donc, je vais parler des enfants orphelins, je vais parler des enfants, des femmes et des enfants qui sont dans les milieux carcérales, je vais parler des femmes et des enfants abandonnés, victimes de violences, de viols, ainsi de suite. Donc, notre organisation, l'association Mères et Enfants, s'occupe de ces femmes, mais aussi lutte contre les pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines et les viols, les violences, toute forme de violence à l'encontre des femmes et des enfants. Donc, c'est de ce volet que notre organisation, Association Mères et Enfants, s'occupe à l'enceinte de la Coalition nationale pour les droits et la citoyenneté des femmes. Et toutes les 12 organisations se sont réunies autour de 3 enjeux, notamment la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, la participation des femmes à la politique, mais aussi l'égalité entre hommes, femmes, filles et garçons. C'est autour de ces 3 enjeux que cette 12 organisations se sont réunies pour faire la coalition nationale pour les droits et la citoyenneté des femmes, M. Roger. Voilà, merci beaucoup. Hein. Oui. Voilà, merci. Voilà, le but visé, vous avez dit, donc, lutter contre la violation donc, des femmes, disons, le droit donc, de la femme. Alors, à ce jour d'aujourd'hui, parlez-nous un peu de la situation donc, de la femme en République de Guinée. Est-ce que la femme est aussi accepter, quand je dis accepter, c'est-à-dire hein, au niveau sur le plan professionnel, sur le plan politique et au plan hein, comme les hommes? Oui, sur le plan constitutionnel ou sur le plan juridique, les femmes, il n'y a pas de différence faite entre les femmes et les hommes. La Constitution met la femme et les femmes et les hommes dans un même plateau. Mais le problème, c'est dans l'application. Sauf le code civil qui est devenu aujourd'hui un code caduque parce que on évolue, la Guinée est partie prenante de toutes les conventions et traités internationaux qui protègent les droits des femmes et des enfants. Mais cette
ces traités et conventions ne sont pas intégrés dans le code civil, ce qui pose problème parce que le code civil, jusqu'ici, a des lacunes, a des articles qui ne sont pas, des dispositions qui ne sont pas, qui ne répondent pas aux exigences de ces conventions ratifiées et signées par la République de Guinée. Et cela, l'application de ces textes aussi est confrontée à d'autres formes de droits qu'on a chez nous. Donc, ce qui explique la juxtaposition des différents droits, notamment le droit religieux, qui est mal interprété à l'encontre des femmes, mais aussi le droit coutumier, parce que jusqu'ici, c'est les différents types de droits qui le disent positif, qui sont des textes écrits. Le droit religieux, on accuse la religion pour faire du mal aux femmes. Et même si tu bats ta femme à mort, on dit, bon, c'est sa femme. De toute façon, la religion voudrait que la femme soit ceci, cela, esclave, ainsi de suite. Donc, c'est une mauvaise interprétation de la religion. Mais aussi le droit coutumier, que la religion a trouvé en place, donc il ne change pas encore. On continue à considérer la femme comme étant un objet. Donc, voilà les problèmes qui sont là, qui rendent difficile l'application du droit positif, pourtant voté par l'Assemblée, et puis depuis 58, depuis l'indépendance, ce texte existe, mais impossible de l'appliquer parce que tout simplement la mentalité n'est pas encore travaillée, n'est pas encore prête à changer en faveur des droits, en faveur des femmes et des enfants. Voilà les problèmes. Sinon, sur le plan texte, toutes les conventions sont ratifiées par le pays. Donc, la Guinée est partie prenante de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de la Charte africaine des droits de l'homme, du protocole additionnel à la Charte africaine relative aux droits des femmes, et puis la Convention sur la convention, le droit sur le droit des enfants, et tant d'autres. La déclaration solennelle des chefs d'État africains pour l'égalité entre hommes et femmes. Donc, tous ces textes existent, mais malheureusement, elles ne sont pas tout à fait comprises par les femmes. Et même si elles interviennent ou elles déposent des plaintes, voilà le droit coutumier qui dit non, attention, il ne faut pas porter plainte sur son mari, sur son frère, sur son ami, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est violation des droits, quand c'est en faveur, quand c'est l'homme qui subit, on dit non, non, mais la femme, là aussi, une femme ne doit pas faire ça. Mais quand c'est la femme qui subit, on dit, ah non, vraiment, donc, laissez, c'est son mari, c'est son oncle, c'est son papa, ainsi de suite. Et ça, c'est dans la famille. Maintenant qu'une fille, les fillettes qu'on rencontre souvent, ou les cas qui nous viennent souvent dans nos bureaux, des filles qui sont violées, des petites filles de 13, 12, 8 ans qui sont violées dans les quartiers, quand c'est fait par des personnes, des grandes personnes, on dit non, écoutez, il ne faut pas humilier ce monsieur, c'est un grand monsieur. Mais pendant ce temps, la petite qui a été violée, et elle et sa maman sont humiliées à jamais. Voilà, en matière de droit, en matière d'égalité en termes de texte et en termes de religion et de coutume, ce que je peux dire par rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes, M. Roger. Voilà, donc grosso modo, au niveau donc des tests, les tests sont très bien, mais c'est au niveau de la pratique que cela pose problème, madame. Alors, exactement. Alors, l'autre point, vous vous occupez aussi certainement aussi donc des mutilations sexuelles, des le mariage forcé, hein, c'est qu'au niveau donc de la Guinée, il y a des régions qui pratiquent certainement hein, ce mariage forcé. Déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, des femmes sont déjà mariées et tout ça. Alors, comment vous allez faire pour vous faire entendre? Tout à l'heure, vous avez parlé un peu hein, des montagnes que vous devez surmonter, à savoir donc les droits coutumiers et aussi certainement le droit au niveau donc des religions. Comment vous allez faire pour vous faire entendre dans un pays où on peut dire à 90% hein, où il y a des musulmans hein? Oui, c'est vrai, actuellement, on est en train vraiment on a changé de stratégie. On a dit, au lieu de parler au niveau publiquement et puis au niveau national sur les ondes et autres, là, on dit que ce n'est pas ça la vraie stratégie. Donc, après une analyse, les études qui avaient été faites vers 2005, 2003, 2004, 2005,
sur l'enquête démographique, on s'est rendu compte que les 96% des femmes guinéennes ont été excisées. Et ça, l'excision se pratique dans toutes les religions, ça se pratique dans toutes les régions de la Guinée. Et de la même manière. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de religion ou une question, mais c'est une question coutumière qui est ancrée parce que la religion musulmane, quand même, est venue trouver que la pratique existait. Donc, nous avons fait une étude entre nous, on s'est dit, voilà ce qu'on va faire. Allons vers certains religieux informés pour qu'ils s'ajoutent à nous. Donc, on a essayé de faire des équipes mixtes. Ces équipes mixtes, il y a des organisations de jeunes et de femmes pour que la jeunesse interpelle les autres jeunes sur les dangers de ces mutilations génitales et de ces mariages précoces. Donc, nous avons intégré l'organisation des médecins qui peuvent expliquer tout ce qui est négatif par rapport à l'excision, par rapport au mariage précoce. Nous avons intégré les organisations de femmes, notamment les sages-femmes, qui prennent l'excision dans les centres. Donc, dans les centres médicaux, il faut les organisations des mères pour qu'elles écoutent tout ça là pour empêcher que leur petite fille soit excisée. Donc, nous avons ramené le débat au niveau communautaire. Actuellement, nous avons touché 396 villages dans la région de Boké et de Kindia, notre organisation. Mais d'autres organisations sont ailleurs. Et ça, nous l'avons fait avec UNICEF et aussi le ministère de l'Action sociale en collaboration pour expliquer les effets négatifs sur les enfants, les petites filles concernant le mariage précoce et les mutilations génitales féminines. Donc actuellement, au niveau communautaire, là où nous avons été, vraiment, j'avoue que cette stratégie pourra marcher parce qu'on vient avec les spécialistes, on vient avec les maquettes expliquer comment ça se fait. Parce qu'en fait, les hommes ne savent pas comment ça se fait, hein. C'est les effets, ils voient, mais ils ne connaissent pas comment les femmes pratiquent. Donc, nous montrons ça. Et j'avoue qu'il y a eu des religieux, même des hommes qui ont pleuré. Pourquoi? Et qu'ils ont promis que leurs petites filles, leurs filles ne subiront pas jamais, plus jamais l'excision. Donc, nous pensons, en travaillant de façon dans la communauté, nous pouvons vraiment essayer de les faire comprendre pour que à un moment donné, qu'on puisse s'arrêter, regarder, refaire l'enquête, voir à quel taux nous sommes. Voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement, M. Roger. Voilà. Merci beaucoup, madame. Est-ce que cela aussi va dépendre aussi, donc, j'allais dire, d'une volonté politique? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez donc des oreilles sensibles par rapport donc à la cause donc de la femme au niveau de la Guinée. Est-ce que le gouvernement suit un peu votre démarche? Oui, c'est pourquoi j'ai dit tout de suite là que nous avons travaillé parce que au niveau du gouvernement, c'est le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance qui s'occupe de ce volet, tout ce qui est question de femmes. Donc, nous avons travaillé avec ce ministère et ses démembrements à l'intérieur du pays et appuyé par le système des Nations Unies, notamment l'UNICEF et l'UNFPA. Avec l'UNFPA, c'est par rapport aux fistules. Ces fistules-là, c'est du fait que les petites filles se marient tôt, à l'âge de 13 ans, 12 ans. Donc, la première grossesse, une fois contractée, elles ont des difficultés à accoucher. Et imaginez, s'il n'y a pas un centre de santé, il n'y a pas un agent de santé qualifié, la fille, ce n'est pas facile pour elle d'accoucher, surtout dans le milieu rural. Donc, il faut la transporter dans un centre quand elle commence le travail. Et finalement, beaucoup d'entre elles meurent. Et si elles ne meurent pas, c'est l'enfant qui meurt, parce que l'enfant, il y a des difficultés pour sortir l'enfant, ou alors les deux meurent. C'est ce qui fait que le taux de mortalité maternelle et infantile sont beaucoup élevées au niveau de la Guinée aujourd'hui. Donc, on n'arrive pas encore à freiner cela parce qu'on continue ces autres pratiques. Non seulement l'excision rend difficile, mais aussi la fille n'est pas mûre pour enfanter. Donc,
tout ça, ce sont des éléments qui... Donc, l'État, vraiment, il faut l'avouer, avec ces deux ministères, nous travaillons pour lutter avec d'autres partenaires aussi, qui s'ajoutent notamment l'Agenda Health, qui s'occupe des fistules. Il y a autre organisation appuyée par l'UNFPA. Nous travaillons parce que nous considérons que tout ça là, tout ce que je viens de citer, sont des facteurs, sont constitués des formes de violence à l'encontre des femmes et des filles. Ça commence à aller parce que les textes sont là. On a une politique nationale de promotion et de protection du genre. On a eu maintenant l'Office national qui s'occupe de la répression de tous les auteurs de violences faites aux femmes et aux filles, même si c'est leurs parents. On a aussi réussi à faire un plan d'action national, oui. Oui, par rapport donc aux violences faites aux femmes, hein, le cas donc du 28 septembre, vous n'en parlez pas trop. Est-ce que vous avez pris en compte cela? Non, le cas de violences faites aux femmes, le cas du 28 septembre, j'avoue que nous avons fait beaucoup de choses. Et les femmes qui avaient été envoyées à Dakar, c'est notre organisation qui avait eu ce privilège douloureuse d'accompagner ces femmes-là à Dakar. C'est un. Deuxièmement, au retour dans le pays, nous avons réussi avec le ministère de l'Action sociale, la ministre qui était là-bas à l'époque, a fait un plaidoyer auprès de l'USAID. Nous avons eu un projet de 2 ans j'ai été même la coordinatrice de ce projet pour 2 ans pour accompagner sur le plan médical, psychosocial et économique ces femmes qui avaient été identifiées. Donc là, j'ai participé à leur identification, j'ai participé à la mise en œuvre du projet en tant que coordinatrice et nous avons pu les former à la gestion des microfinances et à la formation professionnelle, notamment à la teinture, à la transformation des produits locaux, mais aussi à la saponification. Nous avons pu faire ça dans le centre social SOS Village et financé par l'USAID. Donc pour ça, j'avoue que ça a beaucoup avancé et aujourd'hui, les femmes là se sont retrouvées et ont réintégré la communauté, nous travaillons ensemble. Ça, il y a ça. Mais la procédure aussi continue parce qu'avec AVIPA, l'association, donc continue à appuyer ces femmes-là. Et actuellement, la procédure judiciaire continue. Ils sont là-dessus. Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais ce n'est pas lâché. Donc, il y a des juristes, des avocats ou des magistrats qui ont été commis à cette tâche et qui sont en train de travailler. Ça évolue, ils sont là-dessus. Donc, ce n'est pas laissé tomber. Toutes les organisations sont derrière ces femmes. On les accompagne sur le plan médical. Moi, personnellement, tous les certificats médicaux qui ont été pris, on était ensemble, on les a accompagnés partout où elles voulaient. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Mais ce n'est pas tombé, ils sont là-dessus. Ça, je vous assure, parce que je suis dedans. Je suis. Voilà, merci beaucoup. L'autre objectif, vous avez parlé donc de la femme hein, et la politique. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous un peu donc la parité un peu donc des femmes en politique? Je sais que vous avez tenté donc d'introduire une requête pour la modification donc de l'article du code électoral qui recommande aux différents partis politiques d'au moins 30% donc des femmes sur la liste des candidatures. Donc la question que je vous pose d'abord, est-ce que les 30% sont déjà respectés et demander plus que la parité entre hommes et la femme pour le moment, est-ce que ce n'est pas un peu trop, hein, madame? Bon, en fait, ce n'est pas trop. Le code électoral, j'ai participé à sa rédaction et à son adoption parce que je faisais partie du CNT. Donc, il est dit au moins, il n'est pas dit 30%, mais on dit au moins 30%. Ce qui veut dire qu'on peut aller au-delà de 30%. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il a été demandé aux partis politiques de le faire.
Mais quand nous avons fait le plaidoyer au niveau de tous les partis, au niveau des états-majors des partis politiques, mais quel est le problème qu'il ressortissait? Il disait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes intellectuelles au sein des partis. Donc les femmes qui peuvent aller à l'Assemblée et discuter des choses ne sont pas nombreuses. Mais celles qui étaient là, ils les ont mis. Mais malheureusement, il y a des partis qui sont partis au-delà de 30%. Il y en a qui n'ont pas atteint 30%. Et le combat continue parce qu'on a mis en place, la coalition a réussi à appuyer avec le NDI, le cadre de concertation des femmes des partis politiques. Donc, ce cadre-là a fait des plaidoyers avec l'accompagnement de OSIWA et NDI pour que les femmes s'intéressent à la politique. Mais le problème, c'est que les femmes intellectuelles ne se sont pas impliquées réellement dans la politique. Mais le combat continue, n'est pas perdu, parce que Dieu merci, nous avons réussi à accompagner ces femmes-là. Et celles qui ont été vraiment, celles qui ont été écoutées par leur état-major, ont été à la députation. Aujourd'hui, elles sont députées. Mais qu'est-ce que nous avons réussi et qui nous a vraiment plu? C'est que nous avons accompagné ces femmes-là, toutes les femmes de toutes tendances politiques, au sein de l'Assemblée, ont fait le forum des femmes parlementaires. Ce forum prend en compte rien que les questions des femmes. Que ce soit de tel ou tel autre bord politique, ce n'est pas leur problème, mais elles sont au sein de l'Assemblée, elles se battent ensemble pour que tout ce qui concerne les femmes puisse être adopté et voté par l'Assemblée. Ça, c'est un acquis pour nous. Et nous pensons que ce forum, avec en partenariat avec les organisations de femmes guinéennes, peuvent impulser les autres femmes à s'intéresser à la politique pour qu'à la longue, nous puissions être là. Bon, là, ce n'est pas de trop, je me fais Roger, de parler de parité. Parce que tous les textes dont la Guinée est partie prenante constituent et parlent de parité. Donc ce n'est pas nous, c'est les textes. Ça a été depuis aux Nations Unies, depuis au niveau africain, et l'Union africaine en a pratiqué parce que maintenant, au niveau des commissaires, il y a 5 femmes, 5 hommes. Donc ça, au niveau de la CEDEAO, on continue. Donc c'est un combat de longue haleine, nous allons continuer pour que ce que nous avons subi, que nos enfants ne subissent pas cela, qu'elles se retrouvent là. C'est pourquoi nous nous battons beaucoup pour que les filles aillent à l'école, non seulement aller à l'école, mais être maintenues à l'école jusqu'à avoir un certain niveau leur permettant de participer au débat national, d'aller vraiment dans les instances où les questions de la nation se discutent. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Je crois qu'on est en train d'aller et j'avoue que ça ira parce qu'il y a maintenant l'éveil de conscience au niveau des femmes, mais aussi au niveau de certains hommes qui acceptent que leurs femmes participent à la politique. Sinon, hommes aussi refusaient que les femmes participent à la politique. Maintenant, ça commence à aller, ça commence à changer. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Voilà, tout à l'heure, j'avais parlé de la parité. Est-ce que ce n'est pas un peu trop, même dans les grands pays, donc des démocraties comme la France et donc les États-Unis, les gens ont des difficultés pour accepter un peu cette parité ou bien pour mettre cette parité en place. En fait, c'est pourquoi j'avais demandé si pour le moment, j'ai dit bien pour le moment en Guinée, compte tenu de tout ce que vous aviez mentionné, est-ce que ce n'est pas un peu trop Sinon, je comprends un peu votre point. Le troisième point que vous défendiez, oui, allez-y. Oui, oui. J'ai dit que ce n'est pas de trop. À partir de là, ce qui était difficile, c'est les textes. Vous savez, quand les textes sont votés, l'application, il faut se battre maintenant pour cela. C'est cela. Donc, si on connaît, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, la différence est grande entre les femmes, le nombre de femmes intellectuelles et le nombre d'hommes intellectuels. Le nombre de femmes politiques et le nombre d'hommes politiques. Donc, l'écart est grand. L'essentiel pour nous, ce n'est pas que ce soit maintenant là, nous, mais nous nous battons pour que nos enfants, qui viennent, les futures générations, puissent bénéficier de l'application de ces textes-là. C'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, là, tous ceux qui sont là, je ne sais pas comment le dire, mais sont encore hostiles, malgré le combat qu'on a
qui ont été menées par nos pionnières pour avoir ces textes-là concernant les droits des femmes, mais il y a encore des hommes qui sont hostiles. Je le disais l'autre jour, même au niveau des Nations Unies, tous les secrétaires généraux qui sont passés, je lisais sur le tableau là-bas, il n'y avait aucune femme. J'ai commencé par le dire là-bas, j'ai dit, mais écoutez, ici, là, vous n'avez fait la promotion d'aucune femme pour qu'il soit là comme secrétaire général. Donc ça, j'ai vu quelqu'un secouer sa tête. Donc l'éveil, là, c'est ce qui est important pour nous. Donc il faudrait qu'on mette ça dans la tête de nos enfants pour qu'elles ne soient pas comme nous, pour qu'elles ne subissent pas ce que nous sommes en train de subir. Donc nous nous battons pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Est-ce que vous croyez vraiment à la légalité, hein? Égalité entre l'homme et la femme actuellement, donc en Afrique, surtout en Guinée, hein, où, comme je le dis... Hein, oui, je crois, ça viendra un jour. Le combat va continuer, ça viendra. Puisque vous parlez un peu donc de politique aussi, hein, vous avez souhaité donc l'implication des femmes donc dans la politique. Aujourd'hui, face à l'impasse actuellement en Guinée, quelle est un peu vous, votre lecture un peu donc de la situation aujourd'hui? La situation politique. Voilà, avec ce blocage que nous avons aujourd'hui par rapport donc, à l'organisation des élections, le bras de fer entre l'opposition et le parti au pouvoir, depuis pratiquement belle durée, hein, ce qui frise pratiquement les investissements et le développement donc de la Guinée. Alors, dans tout ça, comment vous voyez un peu tout ça, madame? Comment faire pour sortir un peu, si vous voulez, donc de l'impasse? Ce que moi je peux dire, je ne parlerai pas en tant que politicienne parce que je n'ai pas encore bien compris ce que c'est que la politique. Mais les inquiétudes que nous avons en tant que femmes, vous savez, quand il y a eu entre les deux tours présidentiels, on avait tellement peur, tout le monde pensait que la Guinée allait balancer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons fait en tant que femmes? Nous étions inquiètes. Nous avons dit, écoutez, la communauté internationale veut mettre les camps de réfugiés pour les Guinéens. Nous avons été interpellés par nos sœurs de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, pour nous informer. Donc tout de suite, on s'est mobilisés, on est partis voir les ambassadeurs des pays limitrophes. Attention, nous, on n'ira nulle part. On est parti voir le PNUD pour dire qu'on n'est pas prêt. Donc, si vous devez accompagner la Guinée, ce n'est pas construire les camps de réfugiés, mais c'est d'accompagner le pays, la transition, pour qu'on quitte la transition et avoir un pays, avoir une assemblée, faire les élections pour que nous soyons tranquilles. Nous avons commencé le combat par ça, sans parler politique. Et nous avons réussi parce qu'on a fait la caravane dans toutes les préfectures pour dire que la Guinée nous appartient. Il ne faudrait pas que nous, femmes, nous acceptions que notre pays tombe dans des difficultés. Et quand les hommes se réunissent, quand il y a des problèmes, c'est nous. Les premières victimes, c'est nous et nos enfants. Donc voilà le message qu'on passait pour ne pas que la violence soit vraiment une arme de guerre pour nous. Donc nous avons dit ça et nous avons dit que si vous entendez les hommes dire que la nuit porte conseil, ce n'est pas la nuit qui porte conseil, c'est les femmes qui portent conseil. Le matin, ils viennent exhiber ça. Donc, il faudrait qu'on leur dise, attention, nous, on ne veut pas de problème, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela, que chaque femme cite ça dans les oreilles de ses enfants, cite cela dans les oreilles de son mari, ainsi de suite. Voilà ce que nous avons commencé entre les deux. Maintenant, après ça, après les élections, en 2013, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit avant les élections législatives. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Le dialogue était complètement bloqué. Tout de suite, on s'est appelé quelques femmes inquiètes. On s'est appelé femmes leaders. On s'est dit, bon, écoutez, de toutes tendances confondues, hein, donc de l'opposition, de la mouvance, tout le monde avait peur. On avait une peur bleue dans le ventre. Parce que tout ce qu'on entendait, tout ce qu'on voyait sur les internets, ça nous inquiétait. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est appelé, on a créé ce qu'on appelle le cadre de concertation et d'action des femmes. Actuellement, ces femmes-là, nous sommes là, nous sommes au nombre de 5 qui sont venus à la session, et nous sommes là, à New York aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, on va se retrouver, voir ce qu'on peut faire. Ces hommes politiques-là sont nos frères, nos oncles, nos maris, nos papas, nos neveux, ainsi de suite. Nous sommes au milieu.
il faudrait qu'on fasse quelque chose. Donc, on a travaillé à la base, en sous-marin, en faisant un document de plaidoyer. On est parti dans les pas d'état-major des partis politiques. On leur a dit, nous ne sommes pas venus chercher argent, nous ne sommes pas venus chercher pouvoir. Nous sommes là pour vous dire que vous êtes nos frères. On est tous Guinéens. Donc, vous allez nous écouter ce qu'on va vous dire, on va travailler comme ça. Donc, tous nous ont écoutés, il faut le reconnaître, parce qu'on a fait 100 caméras, 100 photos, sans rien. On a dit, nous voulons, vous ne pouvez pas nous mettre dans la merde. Donc, nous venons vous voir. Nous sommes vos mamans, vos tantes, vos sœurs, les militantes de vos partis, parce qu'on était avec les femmes des partis politiques aussi. Donc, on est venus. On dit, on n'est pas politiciennes, on est femmes leaders, mais nous avons peur. Donc, tous nous ont écoutés, il faut le reconnaître, tous nous ont écoutés et ils nous ont promis de venir à la table de négociation et ils sont tous venus. Et Elage Dalin, et Kouyaté, et Sidia, et la mouvance à travers Hadjanantou, tous ont accepté de venir. Et nous avons continué le travail avec toute l'équipe. Chaque semaine, nous passons chez les leaders, mais en sous-marin. On n'a pas médiatisé, on ne s'est pas fait voir. Donc, on a eu ce qu'on pouvait avoir. Ils nous ont dit la vérité crue que vous nous avez dite là. Si vous pouvez dire ça au président, est-ce que vous pouvez le dire? On a dit oui. Donc, on a fait le mémo, on a déposé à la présidence. Il nous a reçus, on a discuté pendant 2 heures du temps. On a fait des recommandations. Écoutez, vous ne pouvez pas aller seul aux élections. On va partir. Vous allez tendre la main. Vous êtes président, tendez la main à vos frères. Vous allez partir ensemble. C'est en ce moment qu'il nous a promis qu'il va tout revoir. Et c'est en ce moment la date du 12 juin pour les élections a été changée. Donc ça, nous avons demandé et nous avons remarqué. Ça s'est fait maintenant en septembre. Et ça a permis de prendre des médiateurs. Et nous avons travaillé avec les médiateurs aussi. Nous avons travaillé avec le médiateur international, Fred Genic. Nous avons travaillé avec les médiateurs nationaux. Donc voilà, le jour de la signature de l'accord, nous étions dans la salle. Nous étions d'abord devant la porte. Nous avons écrit des banderoles. Nous avons mis partout la Guinée d'abord, rien que la Guinée, toujours la Guinée. Nous, femmes, nous voulons la paix. Donc on a mis les banderoles à la montée des escaliers au palais de peuple, on a fixé la banderole, les banderoles dans la salle des actes, avec la complicité de certains membres du palais de peuple, parce que la porte était fermée, donc on a mis ça. Quand ils sont venus, ils ont vu ça. Et nous étions tous en blanc, on était devant la porte. Donc tous les jours, pendant tout le temps qu'ils ont fait, on venait faire le thing dans devant le palais de peuple et sous. Avec nos propres moyens, sans demander un franc à quiconque, ni institution, ni pouvoir, ni rien. Donc, on prenait dans nos poches, on venait, on a pu faire ça. Donc, ça, on sait que voilà ce que les femmes peuvent faire pour appuyer, pour amener nos frères autour de la table pour qu'ils discutent des questions de choses. Mais il faudrait qu'ils impliquent les femmes dans ces négociations. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, les femmes qui sont dans leur parti, ils n'ont qu'à les prendre en compte au moment des négociations, leur demander leur avis. La Guinée, c'est pour nous tous. Il faudrait qu'on s'accepte. Parce que moi, je dis toujours, j'ai dit, la différence est une richesse. Il faudrait qu'on exploite cette richesse qu'on a pour avancer et pour aider le pays dans le développement local. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Et cette année, je pense que ça, c'est une année dure, avec les élections, avec Ebola qui est là même encore, qui a fait beaucoup de morts, qui a fait beaucoup d'orphelins, qui a fait beaucoup de femmes veuves et qui a fait beaucoup de femmes pauvres, plus pauvres encore, avec la récolte qui n'a pas réussi, avec la pourriture de tout ce qu'elles avaient comme produits locaux qu'ils n'ont pas pu faire vendre dans les pays limitrophes avec la fermeture des frontières. Donc voilà, tout ça, c'est des problèmes qui nous inquiètent, nous, femmes. Donc actuellement,
Et sur le plan politique, voilà comment les femmes sont en train de s'impliquer et pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale, M. Roger. Voilà, qui est assez donc clair. Alors donc, madame, avant certainement donc de vous laisser partir, peut-être que nous allons prendre hein, une ou deux certainement donc de réactions, hein, des frères qui nous suivent. Je ne sais pas si du côté donc de Paris, docteur Jean-Aimé Mouketou, hein, vous avez une petite question pour madame Nabé. Oui, bonjour madame. Je voudrais d'abord féliciter pour la pertinence de vos propos. Je vous suis depuis l'Europe, hein, et j'apprends Merci. beaucoup de choses. Vous avez parlé, ce qui m'a beaucoup choqué, hein, parce que moi je suis enseignant, c'est d'entendre des jeunes filles mineures hein, qu'on épouse avec beaucoup de violence. En Europe, on Oui. parle de pédophilie. En fait, c'est de la. Est-ce que l'expression, la notion de pédophilie existe dans la société guinéenne? Ça, c'est la première question. Et je voudrais rebondir aussi sur les droits politiques des femmes en Guinée. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que ces droits sont sur la bonne voie? Bon, c'est vrai que vous avez déjà exploré cet aspect, hein. Vous savez que les Françaises, par exemple, elles ont obtenu le droit de vote seulement en 1944. Est-ce que le droit de vote de la femme guinéenne existe dans votre pays? En tout cas, merci pour la pertinence de vos propos, hein, et je vous félicite, je vous encourage de continuer dans ce sens. Merci bien. Je vais commencer par répondre par la deuxième question. J'avoue que la femme, sur le plan politique, je peux dire que la femme guinéenne, elle est heureuse. Parce que non, pas seulement le droit de vote, mais la femme guinéenne peut créer son parti politique. Il y en a. On a des femmes qui ont créé des partis politiques. Aux élections 2011, la dernière élection présidentielle, il y a une femme qui était candidate. Et donc, Adon Hadja Sarandaraba. Et puis, il y a d'autres partis dont les secrétaires généraux sont des femmes. Donc, nous, on a dépassé cela. Ce n'est pas le droit de vote seulement. Mais on peut créer notre parti, on peut animer notre parti et on peut se présenter aux différentes élections. Donc, voilà, ça, nous avons dépassé ce cap de vote-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, la participation des femmes. Nous avons fait. Au processus électoral, nous avons fait observer les élections présidentielles et législatives par 1 200 femmes que notre organisation a formées pour les observations domestiques des élections. Donc, les jeunes et les femmes, avec l'aide de NDI et OCIWA, nous avons pu amener les jeunes et les femmes dans tous les bureaux de vote. Donc, nous les avons identifiés sur place, nous les avons formés et ils étaient dans les bureaux de vote. Nous les avons donné les téléphones qu'on appelait les flottes qui nous communiquaient les résultats au fur et à mesure. Donc, après cela, après qu'on ait fini, on a mis une salle standard où on recevait les données. Et après qu'on ait fini de faire les calculs et tout, 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 parce que tout a été compté devant nos représentants. Nous avons vu que vraiment c'était une bonne chose. Et les femmes ont observé partout les élections et au fur et à mesure, elles donnaient des résultats. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a une case de veille qui a été créée pour observer, pour voir ce qui se passait. Et cette case de veille était tenue par les femmes. Et pour la réussite qu'on a eue là-bas, nous avons été invités en Guinée-Bissau pour aller observer les élections Guinée-Bissau et nous avons aidé les femmes de la Guinée-Bissau pour mettre en place leur case de veille pour les élections. Et voilà les résultats qu'ils ont donnés. Il n'y a pas eu beaucoup d'incidents parce que les femmes informaient au fur du temps. Quand il y a des bruits par-ci, on informe. Quand il y a ceci, on informe. Mais cela suppose qu'on avait déjà pris part et on a déjà fait un plaidoyer auprès de tous les états-majors, mais aussi au niveau de toutes les institutions républicaines. Notamment, mais aussi au niveau de l'armée, de la sécurité, pour veiller. Donc, on veillait à tous les petits grains de ces observations. Ça veut dire que si vraiment nous nous engageons, nous pouvons le faire. Et je crois que c'est ça.
cette année d'ailleurs, en 2015, là jusqu'en 2016, il y a beaucoup de pays africains de l'Afrique de l'Ouest qui organisent les élections. Donc les femmes, nous sommes en contact dans un réseau sous-régional pour accompagner ces femmes dans ces pays. Voilà un peu par rapport à la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est vrai, il y a pédophilie qui est condamnée par la loi. Et il y a un service aujourd'hui de la sécurité qui s'appelle OPROGEM, qui est l'Office de protection du char de l'enfance et des mères, qui appréhende tous les cas, qui fait la répression de tous les cas de pédophilie et autres dans le cadre de la protection de l'enfant, parce que la Guinée a ratifié la Convention sur les droits de l'enfant, mais aussi la Guinée a élaboré et promulgué un code de l'enfant. Ça, ça existe. Mais à part cela, la religion ou bien les coutumes continuent à marier les petites filles à 12 ans, à 13 ans. Comme prétexte, quand tu ne la maries pas tôt, elle va tomber enceinte et puis ça va faire, comment on appelle, ça va déshonorer la famille. Voilà ce problème qui est là. Pardon, qu'on qualifie de mariage précoce, qui est différent chez nous de la pédophilie. Sinon, la pédophilie est condamnée, elle est là, elle est condamnée. Le cas, quand les cas sont là, les cas sont condamnés. Maintenant, le mariage précoce, ça, on dit que c'est la famille même qui prend l'enfant pour donner un mariage. Donc, c'est là où il y a le problème d'abord, bien que c'est condamné, mais avec la pression sociale, même si vous prenez la personne, vous dénoncez la personne, il y a des choses. C'est pourquoi le projet a été créé. Même si les parents ou bien la maman ou la fille désistent, la procédure peut continuer parce que nous considérons ça comme une des pires formes de violence, de violation des droits de la petite fille. Voilà ce que je peux donner comme réponse à vos questions, monsieur. Voilà, merci. On va aller donc du côté donc de Amadou Diallo. Hein. Merci depuis donc Washington hein, qui a rendu l'interview. Aussi, Amadou, est-ce que vous aviez une question pour Madame Nabé, hein, qui est très articulée. Hein? Oui, hello. Bonsoir Jacques Roger et j'ai dit bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir à la sœur et je crois que franchement, pour moi, c'est tout un plaisir d'écouter les femmes qui se battent pour la promotion féminine. C'est vrai que c'est dur pour les femmes, mais je crois que de temps en temps, avec le combat, il faut vraiment encourager la sœur et toutes ses collègues qui se battent pour la promotion de la femme dans notre pays. Et il faut les encourager, surtout il faut les soutenir. Et je crois que la question que je voulais poser à la sœur, elle dit qu'elle est la présidente d'une ONG mère et enfant. Et oui. Je voulais savoir quelle est la situation aujourd'hui des enfants et des femmes dans les prisons. Parce que je crois que cela nous passe d'une façon dont personne presque ne prête attention, les politiques, même les leaders politiques, la gouvernance. On parle très peu de la situation des enfants en prison et les femmes. Je crois que comme vous êtes dans une ONG pareille, c'est peut-être que vous avez beaucoup d'informations et je voudrais vraiment savoir qu'est-ce que votre ONG a pu faire auprès de ces femmes et de ces jeunes. Et une fois encore, merci. Et nous, au niveau de la NGR, je vous garantis que le jour où la NGR sera au pouvoir en République de Guinée, on aura les 30% et plus des femmes au niveau de la gouvernance. Non, les 50%. Merci. Les 50%. Merci beaucoup, la sœur. Ok, merci bien. Pour ce qui concerne la situation des femmes et des enfants en prison, j'avoue, je suis toute heureuse de dire qu'il y a une grande amélioration, une très grande amélioration, parce que on est en train, avec l'arrivée du nouveau ministre, et il faut le reconnaître, il y a un changement en vue par rapport aux conditions de détention, notamment les infrastructures qui étaient délabrées sont en train d'être vraiment rénovées. Et il y a d'autres qui sont en train d'être construites.
face. Et deuxièmement, c'est la formation des gardes pénitentiaires. Ça aussi, c'est en train d'être fait, quelque chose que nous saluons beaucoup, nos organisations. Au moment où on venait, on osait venir dans les prisons, on disait, ah, quand tu vas en prison, ça va être une malédiction. Mais nous avons osé. Nous sommes une des premières organisations à venir là-bas, pour ne pas dire la toute première. En tout cas, pour ce qui concerne les femmes et les filles. Sinon, il y avait déjà Sabou Guinée qui venait avec SOS Mineurs pour s'occuper seulement de la formation des mineurs en prison. Mais aujourd'hui, c'est séparé. Le cal des mineurs est séparé de celle des adultes. Il y a ça. Les femmes aussi sont séparées. Donc là, ça commence à aller. Et on nous permet de faire actuellement. Il y a une autre ONG, Guinée Solidarité, qui est en train d'aider à la formation au métier des femmes dans les prisons de Kindia et de Conakry, et qui est en train ils apprennent la couture et tout, ils sont financés par l'ambassade d'Allemagne pour la et aussi de l'UNESCO pour la formation des mineurs et des femmes en prison. Avant tout ça, là, ce n'était pas facile d'accepter qu'on vienne le faire. Et aussi, l'intérieur était difficile à vivre, mais maintenant, là, c'est acceptable parce que notre travail, ce n'est pas d'extraire les personnes des mains de la justice, mais c'est de veiller à leurs conditions de vie conformément aux règles minima de l'administration pénitentiaire. Voilà ce qu'on est en train de faire. Non seulement on les forme, on les sensibilise, mais à la sortie, on les accompagne. Parce qu'on a dit, c'est bon de les juger, mais il faudrait qu'elles soient informées et formées. Quand elles sont formées, à la sortie, elles ont de quoi faire. Elles, pour ne pas qu'elles retombent dans la récidive, donc on les accompagne. Ça, c'est deuxièmement, on a maintenant un juge pour les enfants. Donc, les enfants ont leur jugement à part. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça existait avant, mais c'était interrompu. Mais ça, c'est réintégré. On a aussi changé. On a fait un mouvement de tous les régisseurs et les gardiens-chefs des prisons et autres, avec en les formant et en cherchant aussi à augmenter le nombre de personnel. On a maintenant une direction qui est en train vraiment de travailler. On a même une personne, une direction qui s'occupe des organisations, qui travaille avec les organisations de défense des droits des prisonniers au niveau du ministère de la Justice, qui visite tous les jours. Parce qu'avant, s'il n'y avait pas de visite, les prisonniers pouvaient être là, qui ne connaissaient même pas leurs juges. Les juges ne venaient presque pas. Donc, ils pouvaient dépasser leur temps de détention, expiré. Ils pouvaient ne pas être appelés à temps pour le jugement. Mais tout ça, là, c'est en train d'être jugé. Mais il fallait que nous interpellions ou nous attirions l'attention des autorités judiciaires sur ce qui se passe dans les prisons. Donc, depuis ça, les choses commencent à aller. C'est vrai que tout n'est pas rose encore. Ce n'est pas d'intérêt. Mais ça évolue. Parce que maintenant, il y a une cellule de coordination composée des ONG, mais aussi des cadres de l'administration et de la justice pour veiller à l'application des règles minima concernant les détenus. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais à côté de ça, nous sommes en train de faire en sorte que les femmes ne viennent pas, les enfants ne viennent pas. Ça, c'est en faisant quoi? C'est encourager la formation et l'éducation des enfants. C'est encourager l'autonomisation financière des femmes. Parce que si elles ne sont pas autonomes, elles vont vouloir prendre des marchandises par là, parce que la plupart des cas des femmes, il y a d'autres crimes, il y a des cas de crimes, mais la plupart des cas, c'est les cas d'escroquerie. Donc, comme elles ne connaissent pas leurs droits, quelqu'un vient dire, bon, on me doit et on la prend tout de suite, on la met là-bas, elle peut faire 3-4 ans sans être jugé. Mais maintenant, là, il y a un suivi. Il y a quelqu'un qui est mis aussi pour le suivi des dossiers. Quelque chose qu'on a aimé. Donc, chaque Sako est en train de faire ce travail. Il faut le féliciter parce que nous,
au niveau de notre organisation. Celui qui fait bien, on le dit. Celui qui ne fait pas bien aussi, on le dit pour l'amener à bien faire. Mais on vient à son bureau, on dit vraiment ce que vous êtes en train de faire. Voilà, voilà, voilà. Je pense que ça, c'est une très bonne chose qu'il est en train de faire. Et puis, ils ont entamé la réforme du secteur de la justice. Et tous ces éléments que nous donnons souvent comme recommandations, ils sont en train de prendre et intégrer dans ces textes-là. Voilà des choses aussi que nous avons beaucoup aimées. Ils tiennent compte d'une recommandation par rapport à ces détenus. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Jacques, un peu de statistiques. Est-ce qu'on a un peu les statistiques? Nombre de femmes, nombre d'enfants. Est-ce que vous avez une idée? Au moment où je quittais ma dernière visite, c'était au mois de février. Il y avait 163 mineurs âgés de 13 à 18 ans. Et au niveau des femmes, il y avait 56. Il y avait 56. Donc l'âge varie de 18 à 60 ans. Et parmi les jeunes de 18 à 40, celles relativement jeunes de 18 à 40 ans, ont été identifiés, il y a parmi les 40 qui sont en train de faire la formation en couture et l'alphabétisation. Donc, on a pris des cadres en collaboration avec une autre ONG qui est en train de former en alphabétisation ces femmes-là et une cinquantaine de jeunes aussi, les plus jeunes, parce qu'on n'avait pas les moyens pour les prendre tous. Donc, on a pris les plus jeunes pour les former, au moins quand ils sortent, qu'ils ne retombent pas dans la résidive. Voilà ce qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, voilà, c'est clairement clair. Hein. Après, donc, Paris et puis Washington, on va du côté donc, d'Allemagne avec Lamine Camara. Et puis, avoir donc le mot de fin. OK. Jacques Roger, merci. Bonsoir, Madame Nadé. Bonsoir. Voilà, si j'ai bien compris vos interventions, votre ONG milite aussi pour l'égalité entre la femme et l'homme, c'est bien ça? Oui. Bon, moi, peut-être que ce n'est pas une question, mais je voudrais un peu attirer votre attention concernant la polygamie en Guinée. Concernant la polygamie en Guinée, depuis 1968, la polygamie est interdite en Guinée. Oui. Et on constate toujours en Guinée que cette pratique continue. Surtout, ça continue aussi auprès des femmes qui sont intellectuelles, qui sont allées à l'école. Mm-hmm. Comment se fait-il qu'il n'y a aucune tentative, ni de la part des femmes en particulier, ou de la femme de la part de votre association, ne serait-ce que pour porter plainte contre ceux qui vont contre cette interdiction? Et là, je ne comprends pas, parce que si nous disons à tout moment c'est notre coutume, c'est la culture, ok, mais il faudrait que quand une loi existe, qu'on essaye de faire appliquer la loi, que les citoyennes portent plainte pour que la loi soit acceptée. Comment vous pensez de cette manière de femme de ne pas porter plainte? Merci, Madame Nabé. OK, merci bien. Je crois que la question, je vais répondre aisément. Je vous ai parlé de la juxtaposition des trois formes de droit. On dit, dans nos communautés, une femme qui n'est pas mariée, elle est ceci, une femme qui n'est pas mariée, elle est cela. Et les parents même préparent ces mariages. Ça, c'est un. Deuxièmement, les détenteurs de ces textes de droit qui sont chargés à veiller à l'application de ces textes de loi sont tous polygames. À commencer par les chefs d'État. Quand nous avons fait un plaidoyer pour la révision du Code civil, on a révisé le Code civil. Ce Code civil a été révisé pour prendre en compte tout ce qui, depuis 2002, tout ce qui constitue les articles discriminatoires au sein du Code civil, on a tout révisé.
Alors, il y a un seul point qui a fait que notre code n'est pas passé. Parce que tout simplement, ce mot polygame, ce mot polygamie, on a mis croix sur ça. Le président d'alors a dit, il avait, je crois, 3 ou 4 femmes. Il dit, le mot là, en conseil de ministre, il dit le, ça là. Pourquoi ça là? Enlevez-moi ça ici. Donc, le code est resté longtemps. Donc, on a révisé. On a revu encore, on dit, avec l'option, cette fois-ci, si la première femme accepte tout ça, là, pour que les autres dispositions qui ont été acceptées puissent passer. Et Dieu a fait que le code n'est pas passé. On est revenu avec ce même code, avec cette réforme qu'on est en train de faire au niveau de la justice, pour réintégrer notre document au niveau de l'Assemblée maintenant. Là. Donc, tant que on est en train de prendre la femme qui n'est pas mariée comme étant autre chose négative, la polygamie va exister. Un. Deuxièmement, tant que les filles ne sont pas formées, ne sont pas capables de se prendre en charge, qu'on cesse de dire, maintenant, là, comme ma fille est grande, il faut que je la donne tant que je puisse trouver quelque chose. Et la polygamie va exister. Tant qu'on ne cesse pas d'accepter, de ne pas accepter le mariage entre les jeunes couples, au lieu de prendre une jeune fille, donner un mariage à quelqu'un qui est riche, même s'il a 2 ou 3 femmes, avec la pression de la famille, et laisser un jeune qui est à ses débuts ne pas lui donner la femme, la polygamie va exister. Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Et nous avons besoin, nous femmes, nous avons besoin de l'appui des hommes pour nous accompagner. Parce que tant que nous n'avons pas les hommes comme partenaires, que les hommes disent, j'ai une femme, je ne veux plus une deuxième femme, ça ne peut pas aller. Et tant que les femmes ne disent pas, ah, le mari, le monsieur ne veut de moi, mais il a déjà une femme, je ne veux pas un homme marié, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai toujours dit que c'est une question d'intérêt. Parce que quand je sais que je peux me prendre en charge, je peux m'occuper de moi-même, je peux avoir ma voiture, je peux avoir ma maison, sans que l'homme ne me donne, je ne vais pas imposer. Je vais marier quelqu'un, même s'il n'a rien, parce que je sais que je peux me prendre, mais je ne vais pas le marier pour ce qu'il a. Donc, voilà les éléments constitutifs de la polygamie dans nos communautés. Que ce soit maintenant en Guinée forestière, Guinée maritime ou autre Guinée, voilà quelques éléments de là. Si tout le monde, toutes les femmes disaient je ne veux pas la polygamie et que les hommes disaient je ne veux pas deuxième femme, on aura terminé avec la polygamie. Mais continuons le combat. Si on a les hommes partenaires à nous, nos enfants, on va les éduquer dans ce sens-là et finalement la polygamie va. Et en dénonçant aussi les conséquences négatives de la polygamie, peut-être les futures générations, nos enfants, avec eux, la polygamie va s'installer d'elle-même. Et la monogamie, j'allais dire, va s'installer d'elle-même. Avec tout ce qu'on est en train de voir évoluer là, il faudrait qu'on informe nos enfants de l'impact mauvais de la polygamie sur nos sociétés. Si on explique tout ça, ça va motiver les enfants, ça va motiver les filles à étudier, à travailler, à pouvoir se prendre en charge. Comme ça, ils peuvent choisir leur mari, mais on nous empêche de choisir nos maris. Même si tu es veuve, tu veux te marier, elle dit non, il faut rester dans la famille parce que tout ça, ça pose problème encore. Donc on a un travail de longue haleine à faire pour le changement de mentalité de nos communautés. Voilà ce que nous sommes en train de faire, monsieur. Avant que le doyen ne revienne au rebond, madame, alors vous pensez que vous allez avoir donc la possibilité donc de changer le point de vue du vieux Bagari, qui est un bon religieux, un bon musulman, qui croit que Dieu lui donne la possibilité donc d'avoir 4 femmes, hein, et puis voilà, abandonner tout cela et puis avoir une femme. Ce qui est dit dans le Coran, c'est pourquoi je dis qu'il y a une mauvaise interprétation. Le Coran, c'est dit, mais est-ce que les conditions qui sont dites dans le Coran sont faciles pour prendre 2 femmes? Parce qu'il est dit, ce qui est dit dedans, il faut faire avec justesse, il faut faire avec... Peut-être le doyen même le sait mieux que moi, mais ces conditions-là,
Les conditions sont telles que c'est pas facile pour prendre. C'est pas facile pour prendre une deuxième épouse. Donc le doyen le sait. Et ceux qui pratiquent la polygamie savent aussi qu'ils ne sont pas en train de respecter ce qui se trouve dans les textes divins concernant notamment le Coran concernant la polygamie. Donc heureusement nous avons le Coran traduit. Nous le lisons. Tout le monde le sait. Donc si on applique réellement la religion, il y aura moins de polygames. Doyen Lamine. Okay, Madame Nabé, moi je vous comprends très bien, mais Madame, nous sommes une république laïque. Ce n'est pas les mentalités qui changent la loi, c'est la loi qui change les mentalités. Si vous dites attendons, si il y a une loi qui est là, cette loi, je vous rappelle, elle date du 31 janvier 1968. Et cette loi est là. Moi, je me souviens de cette loi encore. J'étais jeune encore à Conakry. Mais quand je vois, il y a plus de 50 ans, cette loi est là. Et cette pratique continue de plus belle. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit les mentalités qui vont changer les comportements. Ce sont les lois qui changent les comportements. Alors, si oui, mais M. Kaba, s'il vous plaît. M. Kaba, la loi... Camara. La loi, c'est nous, n'est-ce pas? Femme. Oui. Responsable, quoi. La loi, c'est nous. C'est nous qui avons voté la loi. Je parle de législateur et le législateur nous représente. N'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Au temps de l'ancien régime, bien que je n'étais pas encore mûre, mais je sais que il y a eu des cas de mariage qui ont été annulés. Au temps de l'ancien régime, le régime de Sékou Touré, n'est-ce pas? Moi, j'en sais. Voilà. Donc, là, il y avait cela. Mais la loi, l'application de la loi, c'est nous. La loi existe. Elle est écrite, elle est là. Mais tant que nous n'appliquons pas cette loi, la loi elle-même, elle ne va pas s'appliquer. Mais depuis un certain temps, tu t'opposes à ça, tu t'opposes au mariage de là où tu vas te plaindre, les gérants de ces lois-là, tu vas te plaindre là-bas. On dit, mais est-ce que, on va tellement te diffamer, finalement tu n'oses plus revenir parce que non seulement ta requête ne sera pas prise en compte, mais aussi tu es renvoyé perdre parce que on dit que, mais toi tu ne comprends rien. Donc je veux que ça là, ce combat-là soit mené avec par les femmes et les hommes en même temps. Parce que tant que l'application de la loi existe, mais il faudrait qu'elle soit appliquée. Et c'est les hommes qui appliquent la loi, et les femmes et les hommes qui doivent appliquer cette loi. Que si une femme dit, mon mari veut se marier, voilà, ce n'est pas normal, voilà la loi, que celui qui gère le juge ou bien la juridiction vers laquelle elle vient, que celui-ci convoque pour dire je sursois à ce mariage, le mariage-là ne peut pas se tenir parce que. Mais ça ne se fait pas. La loi existe, mais l'application, c'est nous. L'application, c'est nous. Mais si on n'applique pas la loi, elle va rester niette. Voilà un peu c'est le problème, M. Kaba. Donc, si vous, en tant que M. Kaba, vous combattez, vous avez mené un combat, vous avez empêché votre famille, par exemple, de donner une de vos âmes dans un mariage polygame, hein, vous aurez apporté quelque chose. Et si vous continuez à expliquer ça à vos jeunes frères, autres, ne faites pas ça, ne faites pas ça, vous pouvez ne pas le faire. Mais vous êtes loin de nous. Nous qui sommes là-bas, là, c'est difficile. Il faudrait que nous soyons soutenus par nos frères qui disent non, attention, moi, ma soeur ne va pas épouser, ma fille ne va pas épouser, ma tante ou bien ma nièce ne va pas épouser un homme marié. Donc il faudrait que les... Parce que dès que la femme, on dit, ah, elle est jalouse. Elle est jalouse, c'est ce qu'on voit, elle est jalouse, elle ne veut pas. On a toujours dit que c'est la femme qui est jalouse. Mais l'homme a toujours raison d'épouser tel nombre de femmes, surtout dans nos communautés. C'est vrai, c'est un pays laïque, mais quand nous prenons les musulmans, ils sont à 90%. Donc voilà un peu
où on accuse souvent le Coran, on accuse, donc on ne sait plus. Maintenant, c'est à vous, tout le monde. J'interpelle les hommes qui sont ailleurs, qui sont dans le pays, qui connaissent un peu, qu'ils nous accompagnent, qu'ils soient nos partenaires, qu'on va prendre, qui vont nous accompagner dans ça, qu'ils refusent de donner leur fille, qu'ils ne demandent pas à épouser d'autres femmes quand ils ont une femme. Comme ça, tout de suite, l'affaire est réglée. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Madame Nabé, en Côte d'Ivoire, la polygamie est interdite. Oui. En Tunisie, la polygamie est interdite. Moi, je ne dis pas que nous ne sommes pas musulmans, nous n'avons pas de coutume. Moi, je dis tout simplement, pour que la loi s'applique, que la loi s'applique, il faut d'abord porter plainte. Même si ça n'aboutit pas. Mais mon inquiétude est que malgré le parcours que cette loi a fait en Guinée depuis 68, non seulement la polygamie continue, mais les femmes ne protestent pas contre la polygamie. Il y a des femmes qui protestent. J'ai plein de dossiers dans mon bureau, Monsieur Kaba. Donc, moi, ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Si vous... Ça a évolué, hein? Ça a évolué. Il faut être au pays, il faut venir au pays voir. J'ai plein de dossiers dans mon bureau pour ça. Sinon, et quelquefois, tu demandes, quand la femme demande ça, tout de suite, c'est sa famille même qui dit, ma fille porte plainte pour que son mari ne pose pas une autre femme. Donc, elle est tout de suite répudiée de sa famille. Si tu n'as pas les moyens de te prendre en charge, tu te vois tout de suite dans la rue. Donc, nous, c'est ce que nous faisons pour accompagner ces femmes-là. Écoutez, Madame Nabé, dans tous les pays du monde, on a appliqué la loi. Il y a toujours des difficultés pour appliquer la loi. Même dans les pays développés, quand il y a eu la décision en France pour laisser les femmes voter, ça a pris des années de débat. Oui. Les femmes se sont levées, c'est des individus d'abord qui se sont levés, qui se sont battus, qui ont tout fait. C'est comme ça que ça doit se faire. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est le fait que je ne comprends pas très souvent. Bon, chez nous, on dit très souvent, on est musulman, c'est le papa qui décide, c'est la maman qui décide. En Allemagne aussi, avant, la femme ne pouvait pas se marier sans l'accord de ses parents. C'est impossible. Il y a encore des années en Allemagne, c'était impossible. Pour ça qu'on est en train de se battre pour que plus de filles aillent à l'école. Pour que plus de filles étudient, pour que plus de filles puissent continuer et comprennent. Parce que nous sommes en train de faire, on n'est pas en train de faire pour nous là maintenant. Parce que notre génération là, et les hommes et les femmes, on est tous victimes. Donc ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que nos enfants, nos petits-fils, puissent reconnaître un jour le combat que nous sommes en train de faire et appliquer cette loi. Maintenant, c'est le combat. C'est le combat qu'on est en train de faire. Expliquer aux gens, qu'ils comprennent, parce que c'est quelque chose qui est ancré dans la tête des gens. Quand même toi, femme intellectuelle, tu dis, il faut que je me marie, parce que si je ne me marie pas, va quelque part. Voilà. Donc, il y a tout ça, il y a tous ces facteurs. Il faudrait que ces facteurs-là soient effacés. Et le combat que nous devons mener, c'est cela. Sinon, il y a beaucoup de plaintes. Il y a des plaintes, quand les plaintes... Expliquez-nous, s'il vous plaît. Ça sera bien pour nous parce que ça va être une expérience. Une minute, voyez. Il nous reste trois petites minutes. Alors, on va permettre donc au pasteur Ouraga de poser sa question à Alcénie et puis madame va conclure. Pasteur Ouraga, allez-y pour votre question rapide. Merci Jacques Roger, merci madame, merci doyen Camara. Que le Seigneur vous bénisse. Ce phénomène que vous soulevez, j'ai bien écouté madame, ça c'est pas une métaphore. C'est depuis la racine, c'est-à-dire la religion musulmane à partir de leur prophète Mohamed. Alors, quand madame parle des conditions, je crois que si vous vous basez sur les conditions, ceux qui sont riches ils vont prendre 1000 femmes. Parce que les conditions sont là, ils ont l'argent, ils sont riches, ils vont faire ce qu'ils veulent. Or, la loi divine que moi j'annonce au peuple, l'homme n'a pas le droit
de marier deux femmes. Parce que la Bible nous dit, Dieu nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et se marie à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Donc, quand on devient une seule chair, on ne peut pas partager cette chair-là encore avec une autre femme ou avec un autre homme. Et le corps de l'homme appartient à la femme et le corps de la femme appartient à son mari. Alors, il y a une seule chose qu'on doit enseigner. L'homme ne peut pas avoir une femme et avoir une copine dehors. Cela veut dire que tu es polygame encore. Donc, notre loi que nous suivons, alors quand tu es marié uniquement ta femme, en dehors de ta femme, tu ne peux pas aller dehors et te déshabiller dans les hôtels n'importe où. Alors, oui. Moi je pense qu'il y a une racine que vous devez travailler. Vos imams là, ils doivent enseigner normalement, enlever les conditions. Pas des conditions. Parce que si vous parlez des conditions, ceux qui sont riches vont prendre 1000 femmes. Ils vont trier les femmes, les jolies femmes, là, les garder chez eux. Alors, nous, notre loi, moi je suis Jésus-Christ. J'annonce les nouvelles de Jésus-Christ qui me demande d'annoncer. Nous, on a droit à une seule femme. D'accord, merci pasteur. C'est une seule femme. Oui. Oui. Merci bien. Si je parle de conditions, M. Jacques, ce n'est pas les conditions matérielles et autres, mais c'est d'être juste entre les femmes et aimer la première, aimer les deux au même titre. Et sa Bible. Pardon, on peut pas aimer deux choses à la fois. Voilà, soit tu vas aimer l'autre, soit tu vas aimer l'autre. Ça c'est du jamais vu. C'est pourquoi Dieu condamne ça. Pour vous dire que dans nos communautés, quand je parle de nos coutumes, il y a chez nous des chrétiens qui se marient à l'église même, mais après qu'ils vont se marier à d'autres femmes, comme on appelle. Oh, là ils n'ont rien compris. Ça existe. Merci, pasteur. C'est pour vous dire que nos religions, que ce soit la Bible ou bien le Coran, nos religions se recoupent par rapport à cela. Mais nos coutumes continuent à le faire dans nos villages, même dans nos villes. Nous connaissons les cas qui ne respectent pas ces critères-là. Nous connaissons les cas et nous avons des témoins. Nous sommes allés voir les prêtres pour certains cas, on les a fâchés de l'église. Nous connaissons ces cas-là. Donc c'est pour Merci. Vous dire que nous devons tous travailler. Merci. Oui, on a fâché parce qu'ils sont mariés à l'église. Après, ils sont partis contracter notre mariage dans des villages et autres là qui ne sont pas... Donc l'église les a renvoyés. Donc on les avait confié des tâches au niveau de l'église pour des travaux, mais l'église les a fâchés. Ils n'ont même pas le droit de venir travailler à l'église ou bien venir prier là-bas. Ça, on connaît les cas comme ça, on a des dossiers comme ça. Donc c'est pour vous dire que c'est un combat que nos religions et nous-mêmes, nous qui avons compris la chose, que nous devons continuer à nous battre, à mener pour vraiment sauver nos futures générations. Voilà, merci. Alcémie, pas de commentaires. Si vous avez une question, allez-y, hein, pour qu'on puisse conclure. Allez-y. Oui, ok, d'accord. Alcémie Diallo? D'accord. Moi, je voudrais... Donc, merci, Jacques Roger. Je voudrais... puisqu'on cherche à un peu dénaturer le débat, quand la religion rentre, moi je connais un frère qui s'est marié à deux femmes, mais quand la deuxième est venue, elle a trouvé la première dans une maison et la seconde est allée dans une autre maison. Les conditions, tout va bien, le respect, chacune est respectée. Bon, ma question est de savoir, votre ONG, qu'est-ce qu'elle est en train de faire par rapport, ou qu'est-ce qu'elle a... qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la femme qui a été laissée accoucher par terre? Non seulement elle a été rejetée à Ignastine, à Donka la même chose, finalement elle a perdu l'âme. La vie, oui. La vie. Maintenant, par rapport à cette femme et aussi à ceux qui se battent, parce que nous savons aussi ça, c'est en violation des lois de la République. Le rapport que vous faites encore à ceux qui se disent non, il faut nous laisser manifester, puisqu'il y a l'article 10 qui nous recommande cela. Voilà, merci madame. Ok, moi, par rapport à la première question, je dis qu'avant mon départ, le samedi 7,
J'étais passé à la radio Espace pour dénoncer ce cas de violence faite aux femmes dans les maternités. J'ai vécu 3 cas la même semaine. Une de nos secrétaires qui a accouché difficilement, qui ne pouvait pas, elle a demandé, on n'a pas voulu. Ils ont demandé 1,5 million pour la césarienne, alors qu'on leur dit que la césarienne est gratuite. Donc, il fallait déposer ça. Elle n'avait pas tout l'argent. Avant mon départ, elle m'a appelé, je suis venue. On a fait, à la veille du décès de la petite qui est morte dans la cour de l'hôpital, elle m'a fait appel pour compléter l'argent. De 7 heures, elle était là-bas. Ce n'est qu'à 20 heures, on l'a opérée. Pourtant, elle avait payé l'argent. Et puis, on lui a demandé d'acheter les produits. Et quand les produits ont été achetés, ils sont partis reprendre les produits là encore, alors qu'ils en avaient d'autres produits. Ça, c'est un cas que j'ai vécu parce que c'est un de nos personnels. Deuxièmement, une fille qui faisait la deuxième année université, elle a été mariée. Elle aussi à Ignace Dine. C'est le même jour, deux jours avant à Ignace Dine, il y a la fille là qui était morte parce qu'elle a dit je ne peux pas accoucher, césarisez-moi. Comme les parents n'ont pas le mal, il faut qu'elle accouche. Elles ont retardé jusqu'à ce que la fille s'est fatiguée. Au moment où elle faisait la césarienne, l'enfant a vécu. A survécu, la maman et la petite est décédée, elle passait pour la deuxième année, elle faisait la deuxième année université. Il y a la même nuit, il y a une autre fille qui a accouché, qui a demandé de 11h à 19h, et dit je ne peux pas, c'est mon quatrième enfant, je ne peux pas, l'enfant, le fœtus est gros, il faut me césariser, sinon je ne pourrais pas. Ils ont tout fait, impossible. C'est vers, quand elle était fatiguée, vers la nuit, ils ont fait la césarienne et puis ils ont bloqué les parents de ne pas rentrer. La fille allait mourir. Mais elle a perdu son garçon de 5 kilos. Finalement, le bébé était étouffé, il est décédé. Difficilement, la fille s'est relevée. Et c'est après tout ça que le cas de Donka s'est passé. Et voilà, Ignace Dine, comme ils n'avaient pas le montant qu'ils ont demandé, on leur a dit que ça ne pouvait pas se faire à Ignace Dine d'aller à Donka. Elle se déplace, elle vient à Donka avec son mari. Personne ne l'écoute, on demande 150, il y avait des problèmes. Donc finalement, elle a accouché là-bas, devant les gens, là où il y a l'ophtalmologie, cas des sous actuellement, à côté de là-bas, et à quelques mètres de la maternité. Personne ne... Voilà des cas, j'ai dépassé à l'espace avant de venir. C'est des pires formes de violence à l'envers des femmes enceintes. Ça, j'ai dénoncé avant de venir à la radio Espace. Donc, la semaine... Le jeudi avant le samedi auquel j'ai dénoncé, les femmes étaient sorties à Kaloum, en rouge, pour manifester cela à Ignace Dine et à Donka. Donc, nous avons décidé, au retour, nous allons faire un mémorandum pour envoyer ça jusqu'au niveau des juridictions. On enverra ça au niveau de la justice, on enverra au niveau de la primature et au niveau de la présidence. Là, nous avons décidé de le faire. Parce que c'est ce que je vous ai parlé tout de suite dans mon intervention du taux élevé de la mortalité maternelle et infantile. Et nous avons dit que tout ça, avec ça, les femmes ne sont pas encouragées à venir dans les structures sanitaires pour leur accouchement. Donc elles préfèrent chercher des femmes accoucher à la maison. Voilà un peu le problème. Nous en avons parlé. Voilà. Et nous continuerons à le faire. Voilà. Merci beaucoup, merci madame d'avoir accepté donc l'interview avant de vous laisser partir. Docteur Mouketou, est-ce que vous avez un petit commentaire rapide et puis nous allons libérer donc madame Nabé depuis Paris, hein, docteur Mouketou. Monsieur Jacques Auger, en tout cas merci et je voulais encore remercier madame. J'étais en train de suivre les analyses pertinentes de madame avec beaucoup d'attention, mais beaucoup d'émotion aussi. Vous avez suivi le dernier point sur des Guinéennes encore qui meurent à cause de... parce qu'elles ne sont pas bien suivies dans les maternités. Mais vraiment, c'est scandaleux. Oui. Et vous voyez, on parle beaucoup de politique sur nos émissions. Et moi, je voudrais vous féliciter d'avoir invité cette sœur sur nos antennes. Comment au 21e siècle une étudiante peut encore mourir dans un état comme la Guinée à cause des conditions qui n'existent pas dans nos maternités.
C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et moi, j'aimerais encourager cette sœur qui parle avec beaucoup de pertinence. Et je voudrais vous rappeler qu'il n'y a pas que des Africains qui vous écoutent. Hein. Il y a des Européens qui vous écoutent aussi. Et là, j'ai des amis qui vous écoutent, des collègues qui vous écoutent. Et moi, je voudrais vous encourager de poursuivre même l'État guinéen quand il y a ces genres de décès. C'est l'État qui est responsable de ce genre de décès. On ne peut pas accepter qu'une femme soit maltraitée dans une maternité au XXIe siècle. On va aller à la conclusion. Merci, docteur Mouketo. Donc, alors, madame, voilà, en tout cas, merci beaucoup, Jacques Auger. Et merci, madame. Merci. Voilà. Alors, allez-y, madame, pour votre mot de fin, si vous avez certainement un appel pour vos compatriotes qui vous suivent un peu partout. Allez-y, madame. Ok, merci bien, monsieur Roger, pour l'opportunité qui m'a été offerte. J'avoue que on parle de politique, on parle de tout, mais moi j'interpelle tout le monde sur le développement communautaire dans nos communautés. Tout ce qu'on voit dans la capitale, ce n'est pas ça, mais il faut aller à la base, il faut aller voir dans les communautés tous les problèmes sanitaires qu'on a, les problèmes scolaires qu'on a, la difficulté par rapport pas seulement les femmes dans l'agriculture, les femmes rurales, mais aussi les hommes, parce que jusqu'ici, on n'a pas mangé à notre faim, on n'a pas envoyé nos enfants à l'école, on n'a pas encore les moyens pour faire la transformation de nos produits locaux. Je me demande bien comment les femmes pourraient bien s'impliquer dans la politique, comment les femmes pourraient bien exprimer leur citoyenneté. Donc moi, en tant que femme, c'est ce que je demande. Si au niveau de la base, les femmes sont informées, elles s'impliquent à la citoyenneté, à la gestion des affaires de leur localité, elles sont autonomes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à leur endroit qui pourraient changer. Parce que quand tu as les moyens, tu t'occupes bien de tes enfants, tu es alphabétisé, tu fais ton travail, même étant dans le milieu, dans ton milieu rural, là tu as un respect de la part du mari, tu as un respect de la part de la communauté. Voilà ce que je peux dire, j'interpelle tout le monde, surtout que notre pays est en train de traverser une crise sanitaire là qui se trouve Ebola, qui nous a laissé beaucoup d'orphelins, beaucoup de femmes veuves, beaucoup de veufs, beaucoup de stigmatisation, beaucoup de vide encore. Il y avait beaucoup de vide qu'on s'est rendu compte, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de morts. Parce que sur le plan sanitaire, il y avait beaucoup de vide, nos agents n'étaient pas formés, il y a insuffisance d'agents dans nos centres de santé, il y a les infrastructures qui ne sont pas équipées. Donc nous, en tant qu'ONG de femmes qui défend les droits des femmes et des enfants, nous plaidons pour le sort de ces femmes, de ces familles post-Ébola. Parce que c'est ce qui nous intéresse maintenant. Comment passer dans le post-Ébola, après Ébola, tout le vide qui est là maintenant, comment essayer de revoir tout ça et de remonter un peu la pente. Voilà, M. Jacques Roger, à travers vos ondes, ce que je voulais dire à nos compatriotes partout, qu'ils soient, qu'ils m'écoutent et qu'ils soient sensibles à ce que je viens de dire, faire quelque chose pour les milliers d'orphelins qu'on a en Guinée aujourd'hui. Et voilà, merci, surtout pour l'unité aussi, l'unité nationale et la cohésion, parce que nous sommes tous des Guinéens et acceptons nos différences, car la différence est une richesse. Merci, M. Roger. Merci beaucoup, madame, et surtout, hein, bon séjour aux États-Unis, et portez-vous bien. Au revoir. Merci bien. Au revoir, merci. Le café qui vous donne une énergie vive dans tout ce que vous